Oh là là! Bon, mon oncle est fatigué un peu, là. Ça n'a pas été une bonne semaine, là. Puis là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? On devait avoir rendez-vous à tous les vendredis, vers la fin de la semaine pour faire le bilan. Hey, la saucisse, je suis en train de faire de quoi, là? Tu peux-tu, s'il vous plaît, hein? On se calme un peu. Mais je veux vous parler, là, rapidement, là, comment ça s'est passé cette semaine. J'ai reçu mon foin, finalement. J'ai rentré ça de façon un peu débile. Je m'étais organisé un système de poulies avec des câbles puis le tracteur à pelouse. Finalement, là, ça se roulait juste à la main. Là. C'était pas nécessaire de faire tout ce cérémonial-là. Ensuite, on a eu des gros froids. Il a fallu maintenir l'écurie le plus chaud possible. Là. En Fahrenheit, on a réussi à atteindre 45 degrés. Et comme d'habitude, j'avais mal mis le crochet des petites génisses. Alors, qu'est-ce qui est arrivé un beau matin? Les petites génisses sont sorties de leur enclos comme si de rien n'était. Coup de tête, le crochet a levé. Et là, les petites génisses sont allées chercher leur chum, les boucs. Et là, c'était le party. Bon, fait que... Mais brièvement, je veux laisser ça derrière nous. Je veux vous parler... Il y a beaucoup de détresse ces temps-ci au sens du désespoir là, dans l'agriculture, surtout avec la neige qui est arrivée de bonne heure. Là. C'était pas drôle. Là. Et généralement, la première chute de neige, bon, ça arrive, ça s'en va, mais là, ça c'est arrivé, puis ça a l'air d'être arrivé pour rester. Il y a eu des froids polaires, c'était horrible. Là. Ici, dans la région, la nuit, ça descendait à moins 16. Vous imaginez, là, puis ça a duré pratiquement une semaine, là. Depuis que la neige est arrivée, puis on a eu une bonne bordée de neige, à peu près 20 cm. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme effet dans les champs? Bien, vous le savez, là, si vous êtes producteur agricole ou si vous êtes dans le domaine laitier, puis vous nourrissez vos vaches avec votre grain que vous semez, bien, c'est soit du soya, du maïs, peu importe. Et ça n'a pas été bon, là. Le soya, il y a des champs qui sont recouverts. Là, j'ai pris une photo pour vous le montrer. Ça, c'est dans ma région, mais bon, on voit les rangs encore de soya, mais à certains endroits, c'est recouvert complètement. Si vous voyez le blé d'Inde, ça, c'est la montée Quenelle, pas loin d'ici, dans le canton voisin. On roule, puis on voit, quand on prend le temps là, d'examiner le détail, les plants écrasés. Ça a fait les manchettes, on en a parlé. Alors, ça suscite beaucoup d'inquiétude parce que, bon, à date de lundi, il y avait à peu près, grosso modo, encore 65-70 % des récoltes qui sont encore dans les champs. Et là, je regardais sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Si vous n'êtes pas dans le domaine de l'agriculture, prêtez attention aussi. Sur les réseaux sociaux, j'ai eu des petits échanges avec des gens qui disaient, bon, probablement des gens de la ville ou des gens qui ne connaissaient pas ça. OK, ils veulent encore un programme d'aide avec la financière agricole des récoltes, là, puis tout ça, les pertes. Ça serait peut-être bon l'année prochaine qu'ils revoient leur méthode, en parlant de ceux qui sèment, là. Et il aurait dû sortir avant. Il aurait dû sortir plus de bonne heure. Comme ça, il ne serait pas en train de récolter ça mi-novembre avec la neige. Ça, là, c'est assez spécial. Ça, c'est vraiment l'exemple de gens qui parlent de dossiers dont ils ne connaissent pas tous les détails. Je ne lance pas la pierre, moi aussi, ça m'arrive, là, comme tout le monde, de commenter à travers mon chapeau. Mais là-dessus, il y a eu du retard. Hein. Je ne sais pas si on recule la cassette. Là, on vit dans l'instantané, mais si on recule la cassette... là. Quand on était au mois de mai, on ne pouvait pas entrer dans les champs. Là. C'était de la pluie. En tout cas, je parle pour ma région. Là. Au mois de mai, là, je radote, là, mais on a eu 26 jours de pluie sur 31. Ensuite, le temps qu'on puisse entrer dans le champ, je pense que c'était mi-juin. Alors, il y avait des problèmes d'épandage de fumier. Les fosses à fumier débordaient. On ne pouvait pas en disposer. On ne pouvait même pas avoir accès aux champs pour semer, faire les semis. Hein. Comment de gens ont été en retard dans le maïs, par exemple? Ou d'autres céréales, peu importe. Alors, c'est sûr que c'est décalé dans le temps. Alors, tu arrives au mois de novembre, tu te dis, bon, là, c'est le temps d'aller récolter ça. Bang! La neige nous tombe dessus. Alors, tu sais, c'est mal connaître la situation que de blâmer les agriculteurs. Disent, il y a des gens, oh, on devrait changer notre façon de faire. Ben oui, notre façon de faire, là, c'est quoi notre marge de manœuvre? Là? Imaginez-vous donc, là, on arrive à la mi-juin là, pour rentrer dans les champs pour semer. Et là, tu arrives mi-octobre, ça commence le gel en bas de zéro. Je vous rappellerai qu'au mois de mai, là, puis même début juin, là, il y avait des températures la nuit en bas de zéro. Alors là, on arrive au mois d'octobre, début novembre, floc, ça nous tombe dessus. Température polaire, le vortex polaire nous tombe dessus le deux tiers de l'Amérique. Là. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça prend des programmes d'aide. Et moi, je ne comprends pas.
je vous laisse là-dessus, ça va être mon topo pour cette semaine. Je ne comprends pas l'absence du fédéral là-dedans. Là. Justin Trudeau a été réélu minoritaire grâce au vote urbain, au vote des villes. Et il y avait beaucoup de grogne des agriculteurs et de la ruralité envers Trudeau. Là, je pense que Trudeau aurait pu peut-être prendre l'occasion, saisir la balle au bon. Là, je veux dire, il n'y a pas juste au Québec là, où ça va mal en agriculture avec les conditions climatiques qu'on a, de merde un peu partout au pays. Et pas un mot. Silence total, niette, rien. C'est quand même assez particulier. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bonne chance, bon courage à tout le monde si vous êtes dans le dernier sprint des récoltes. Aujourd'hui, on annonçait à la fin de la journée du verglas. Jusqu'à demain, peut-être, dans certaines régions. Ça, le verglas, là, c'est la catastrophe totale. Tu sais, imaginez, là, admettons, le tiers des plants de blé d'Inde sont à moitié écrasés. Là, s'il faut qu'ils retombent du verglas, je pense que c'est la totale, là, c'est fini. Alors, bon courage, c'est pas facile. On se reparle la semaine prochaine, les amis. Merci à nos commanditaires, La Vie agricole et le réseau Nature Belle-Île.